Allez, c'est le grand retour des vidéos Hearthstone. Cette fois-ci, on s'attaque au mode héroïque de la dernière aventure d'Hearthstone, la Ligue des Explorateurs. Donc, pour affronter le premier héros de la première aile, on va prendre un deck Tempo Mage, un petit peu adapté, où on a quasiment que des sorts. En tout cas, beaucoup de sorts. Le but étant d'utiliser aussi le pouvoir héroïque de son adversaire pour booster Mana Wyrm et pour utiliser le pouvoir de Flamewaker. Il faut quand même un Flamethrack et un Blizzard pour nettoyer le plateau, puisque avec son pouvoir héroïque, il va rapidement avoir beaucoup de serviteurs sur le plateau. Et si on peut nettoyer, c'est quand même le bienvenu. Donc on affronte Zinar dont le pouvoir héroïque est pour 0 de mana. Il pioche une carte, il gagne un cristal de mana. Et par contre, il vous donne un souhait. Les souhaits coûtent 0. Il y en a plusieurs types. C'est découvre un serviteur, découvre un sort, ou découvre un serviteur coûtant 4, etc. quoi. Donc ça peut ça aide, c'est des sorts gratuits et qui vous aident à booster le Flamewaker et le Mana Wyrm. Alors on commence toujours, donc on se retrouve avec 3 cartes en main au début de partie. Jaina versus Zinar. Finally free. Your reward will be a quick death. You asked for it. On a que 3 cartes, donc on recherche le Mana Wyrm et si possible le Flamewaker. Si j'utilise Arcane Missiles, je suis même pas sûr de pouvoir le tuer. Si j'utilise Mirror Image, ça va juste temporiser, donc je suis pas sûr que ça en vaille le coup. Enseignant pourpre sera pas mal du tout. J'ai pas envie d'utiliser Arcane Missile sur cette merde là. Au prochain tour, si j'ai pas le Flamewaker, je peux jouer l'enseignant pourpre. Au pire. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à jouer, donc I'm ready to learn. Un taunt serait pas mal. I'm ready to learn. Un petit freeze. Thank you.
I shall do as you say. Faut que je temporise pour que au prochain tour, pas au prochain tour, mais dans deux tours, je puisse jouer Flame Strike. I'm ready to learn. Bon, Antonidas, pourquoi pas. I shall do as you say. Instruction begins. I shall do as you say. I shall do as you say. D'accord. Donc l'IA est pas très maligne là. Bon, là il commence à y avoir beaucoup trop, donc j'ai pas d'autre choix que de jouer Flamestrike. Là je prends l'Ethereal Arcaniste puisque j'ai Duplicate et Mirror Entity. Donc avec un peu de chance je vais pouvoir combo pour avoir un gros serviteur. Être greedy et lancer le Mad Bomber, mais je suis pas certain.
C'est peut-être aussi le seul moyen que j'ai de d'arriver à tuer les trois petits serviteurs. Parce que là, j'ai lui qui devrait pouvoir tanker et prendre le coup du Fireguard Destroyer. Allez, YOLO. Là c'était une erreur, j'avais pas assez de mana. Là c'est j'ai été très couillon. Oh! Parfait. Behold the might of Stormwind! Behold the might of Stormwind! Dead or alive. Donc une fois qu'on a repris la main sur le plateau, c'est quand même beaucoup plus simple. Dead or alive. For the Alliance! Dragon through the left! No! Donc voilà pour le premier héros de la Ligue des Explorateurs en mode héroïque. Donc on revoit une dernière fois le deck. Tempo Mage, beaucoup de sorts, une courbe de mana très basse. Le but du jeu, c'est de survivre au début. Donc, arriver à tuer ses serviteurs. Pas voir sa vie descendre trop vite. Et une fois que vous avez repris le contrôle du plateau, que vous avez le Mana Wyrm et le Flame Waker, ça devient. Ouais, ça devient extrêmement facile. Mais le plus dur, c'est d'arriver à ce moment où vous avez au moins 3 ou 4 serviteurs sur le plateau, que vous avez repris complètement le contrôle.
une fois que c'est fait, vous avez des sorts à zéro, donc à chaque fois avec le Flamewaker, vous faites du dégât. Mirror Entity en mid-game, fin de game, est vraiment très fort, puisqu'il a, il a quasiment que des gros serviteurs, donc ça vous aide aussi à contrôler le plateau. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour affronter le deuxième boss en mode héroïque qui s'annonce un peu plus difficile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt.